Suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de mes pratiques de la générosité, etc. Puisse j'accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Page 3. Dans le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puisse j'accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Dans le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puisse j'accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Au bout de Shakyamuni, après avoir atteint l'éveil, sous la route de la Bodhi, il y a des gens qui ont été à Bodh Gaya parmi vous. Et donc, pour le bien de tous les êtres, il a atteint l'éveil dans le but d'atteindre l'éveil et de donner les enseignements pour le bien de tous les êtres. Et donc, quand il a atteint l'éveil, le Bouddha est resté silencieux pendant 49 jours sans enseigner. Les rois des dieux, Indra et Brahma, ils se sont demandés, avec leur clairvoyance, ils se sont réalisés que le prince Siddhartha, le prince, a atteint l'éveil sous l'arbre de la Bodhi. Et donc ils ont vu qu'il est resté silencieux sans donner d'enseignement. Ils sont apparus sur terre. Ils ont payé une visite témoignée du respect. Ils ont fait des prestations au Bouddha Shakyamuni. Ils ont demandé d'enseigner le Dharma. Donc le Bouddha a dit cette strophe. En tibétain, ça veut dire profonde, cette réalité inconcevable, profond, apaisé, libre d'élaboration, clair lumière et incomposé, tel est le dharma semblable au nectar que j'ai découvert. N'ayant trouvé personne qui puisse comprendre cet enseignement, je me tirerai en silence dans la forêt. C'est ce que le Bouddha a dit. Et les deux rois des dieux, Indra et Brahma, ont fait plus de prosternation et ont demandé au Bouddha, veuillez s'il vous plaît ne pas rester silencieux, mais tourner la roue du Dharma. Et finalement, le Bouddha a accepté d'enseigner le Dharma. Et ici que le Bouddha a dit que la réalité qu'il a découverte est si profonde, si paisible, libre de l'opération, claire lumière et incomposée. Le Bouddha a décrit la réalité, la vacuité. La vacuité qui est si profonde. De la façon, si nous réalisons cela, la vacuité, donc, on pourrait tellement être apaisé de toutes ces
la turbulence mentale qu'on peut éprouver, l'attraction et la répulsion, même s'il n'y a pas de manifestation très grossière d'attraction et de répulsion, dès l'instant où on est en train de rêver, on est en train d'imaginer quelque chose, et donc on est constamment en train d'être attiré et repoussé, continuellement ballotté par cela, et notre esprit n'est pas vraiment en repos à cause de ces attractions et répulsions. C'est involontaire. Quelle est la perte de liberté? La perte de liberté et la souffrance. La souffrance et le samsara. C'est de la façon dont notre esprit a été plongé dans la saisie du soi depuis toujours, nous rendant ainsi l'esclave dénué de paix de l'esprit et non plongé dans le samsara. Le Bouddha a dit que cela, si vous réalisez cela, si vous découvrez cette réalité, à ce moment-là, la somme de paix que vous allez obtenir est si immense. C'est pourquoi il a dit c'est profond et c'est apaisé, libre d'élaboration. C'est dans le texte, page 4, en français. For French people, yes. English basics, French people. Pour les Français, page 4. Après le mantra au milieu d'Alma et tout, juste après. Profond, apaisé, libre d'élaboration, clair lumière et incomposé. Tel est le Dharma, semblable au nectar que j'ai découvert. N'ayant trouvé personne qui puisse comprendre cet enseignement, je me retirerai en silence dans la forêt. Et donc, profond, apaisé, libre d'élaboration, clair lumière et incomposé. Libre d'élaboration, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on entend par élaboration? Qu'est-ce que vous entendez par élaboration? La piscine? Conceptualisation? Composition? Élaboration? Ne pensez pas que vous êtes des philosophes. Dites comment vous comprenez élaboration. Naturellement en français. Qu'est-ce que vous entendez par cela, élaboration? Virginie? Step by step constructed. Built. Elaboration. Élaboration. We make inner movies. Et donc, si on est un linguiste, pas un philosophe, pas un psychologue, simplement quelqu'un qui est éduqué dans le langage, que veut dire élaboration, création? Ça veut dire on n'arrête pas de travailler sur le sujet, lui trouver des choses et tout ça. Donc, sur le sujet, on travaille dessus, on lui trouve des choses. Upon a subject, we work all around this subject. We find some qualifications like this on the subject. Okay, anyone else? Yes. Qui d'autre? Production. A train of thoughts. Qui d'autre? La nourriture est très élaborée. Nos fêtes sont très élaborées. Vous comprenez dans cette structure, selon cette structure? Sans philosophie, sans psychologie, sans création de films. Donc la nourriture est tellement élaborée, la maison est tellement élaborée. Qu'est-ce qu'on entend par la maison est tellement élaborée? Sophistiqué, compliqué. Complexe. Qu'est-ce qu'on entend par complexe?
beaucoup de détails. Voilà. Les aberrations, ça veut dire beaucoup de détails. La nourriture, il y a tellement de détails. La maison, il y a tellement de détails. C'est la compréhension basique. Et maintenant, vous pouvez l'appliquer à vos films intérieurs. Les conceptualisations. Vous fabriquez tellement de détails. On fabrique tellement de détails. C'est la compréhension. Dans le rêve. On fait beaucoup de détails, on ajoute beaucoup de détails aussi, vous êtes d'accord? Combien d'entre vous avaient rêvé pendant la nuit dernière? Qu'est-ce que vous avez vu? Beaucoup de détails dans votre rêve? Ou est-ce que c'était juste un rêve blanc? Beaucoup de détails. Beaucoup de détails. Ils ont été créés par quoi? Votre esprit. Tous ces détails ont été créés par votre esprit. Toutes ces élaborations ont été créées par votre esprit. De la même façon, ici, il y a des gens autour de vous. Et avec tous les vêtements qu'ils ont, les cheveux. Et donc, vous voyez les murs, les champs autour. Regardez tous les détails, tellement multiples. Tous ces détails sont fabriqués par notre esprit. Ce sont les élaborations. Quand on se réveille, qu'on va dans la réalité ultime, tous ces détails, c'est fini. Vous comprenez, vous êtes d'accord? Quand vous vous réveillez, toutes les élaborations, tous les détails du rêve, stop. Tous les rêves qu'on se crée maintenant, c'est ce qu'on appelle le rêve non conventionnel. Ils s'arrêtent, donc ils sont fabriqués par l'esprit. Et quand l'esprit va dans la vérité ultime, il arrête de créer toutes ces élaborations. Toutes ces élaborations, ils sont comme un rêve fabriqué par notre esprit. Tout cela va s'arrêter. Et toutes les attractions-répulsions vont s'arrêter aussi. C'est le repos final de l'esprit. C'est pour ça qu'on parle de libre d'élaboration. Parfois, ça peut faire peur de penser à cette réalité. Mais pourtant, si vous comprenez vraiment, cela va enlever toutes les sensations d'effroi, de peur. Au début, ça donne on appréhende un peu parce qu'on est tellement addict à notre saisie du soi qu'on a l'impression que tout existe de manière objective. Avec cette sagesse de la vacuité, cela nous permet de découvrir que rien n'existe de manière objective. Et que tout cela n'est que la projection de notre esprit. Aryadeva, le disciple direct de Aryanagarjuna, il a dit, ceux qui ont peu de mérite n'entraînent que peu de doute par rapport à cette si le doute devait venir, ceux de peu de mérite n'auront pas d'interrogation quant à ce dharma. Si une telle interrogation devait advenir chez quelqu'un, cela ferait voler le samsara en éclats. Yes, c'est sur la the second page. 1, 2. Ah, sorry. English 203. In French, the second one. Here. Voilà. C'est sur la deuxième page que vous avez dans le petit livret là, qu'on vous a donné ce matin. C'est vous tournez la page et vous avez les 400 stances derrière les mains. You find it? The French. Il me faut le leurre, c'est pour ça. Ici. Oui, c'est sur la page 1, la page 1, les 400 stances. Ceux de peu de mérite n'auront pas d'interrogation quant à ce dharma de la vérité ultime. Si une telle interrogation devait advenir chez quelqu'un, cela ferait voler le samsara en éclats. Donc le dharma, c'est de comprendre la vacuité et la bodhisattva.
Et donc, sans comprendre ce qu'est le dharma, on va avoir tout un tas de rituels. Et avec cela, tout un sens de théâtral. Et donc, ceux de peu de mérite n'auront pas de doute, dans le sens pas d'interrogation, quant à ces dharmas, de la réalité ultime. Il y a des gens qui vont parler de la vacuité. Et certains vont dire quoi? Ça ne veut rien dire, la vacuité. Si c'est notre attitude, c'est l'indication que la personne a peu de mérite. Les gens qui n'ont pas beaucoup de mérite ne vont pas avoir beaucoup d'intérêt dans cet enseignement. Quand on en parle de la vacuité, on va dire que tout est à peu près comme un rêve. Ils vont se dire, waouh, mais qu'est-ce que vous voulez dire par la vacuité? Et là, vous aurez un intérêt. Mais comment les choses sont-elles vides? Comment existent-elles comme un rêve? Donc, si une telle interrogation devait advenir chez quelqu'un, cela ferait voler le samsara en éclats. Déjà, si on commence à s'interroger, à se poser des questions, comment les choses pourraient-elles exister vraiment objectivement? Alors, la fondation du samsara tremblerait sur ses bases. Et donc, c'est comment arriver à la fin du samsara, c'est tellement précieux. Et maintenant, on doit savoir exactement ce qu'est la vacuité. Le troisième sceau de l'enseignement du Bouddha, tout est de la nature de la vacuité et du non-soi. Qu'est-ce qu'on entend par vacuité? Cette question. Et donc, nous avons besoin de connaître certains types d'antinomies. L'existence objective est opposée à l'existence subjective. De la même façon, indépendant est opposé à dépendant. De la même façon, l'existence véritable est opposée à l'existence fictive. L'existence ultime est opposée à l'existence conventionnelle. Très bien. Donc ça, on doit l'apprendre. Objectif, c'est opposé à subjectif. Quand vous dites les choses sont subjectives, vous dites qu'elles sont dénuées d'existence objective ou vides d'existence objective. L'existence dépendante s'oppose à l'existence indépendante. L'existence fictive s'oppose à l'existence véritable. L'existence conventionnelle est opposée à l'existence ultime. Ce sont les opposés que nous sommes amenés à comprendre, à apprendre. Donc, avant d'aller voir ce qu'est exactement la vacuité, hier, nous avons fait les entités et les isolés. Les entités et les isolés. Ce que nous avons appris hier. On va essayer de revenir un petit peu sur ce qu'on a fait hier. Les entités et les isolés. Disons par exemple, ce livre et la couleur de ce livre. Est-ce que c'est deux entités ou est-ce que c'est une entité? Une entité. Vous voyez toujours une entité? Le livre et la couleur du livre? Et après avoir passé toute la journée hier, vous êtes toujours en train de dire que c'est une seule entité. C'est une entité ou deux entités? Une. One entité. Je suis très content que vous ne fassiez pas confiance à mon visage.
ces deux sont une entité. Et du point de vue des isolés, ils sont différents isolés. Je voudrais que quelqu'un me dise comment ces deux deux isolés. Pourquoi ce sont deux isolés? Pourquoi ces deux, la couleur du livre et le livre, sont deux isolés différents? Parce que ça doit être très clair. Ça ne doit pas simplement être capable de répondre correctement, mais on doit savoir pourquoi c'est correct. Pourquoi les deux sont... Qui va me dire pourquoi le livre et la couleur du livre sont deux isolés différents? Quelqu'un? Quelqu'un d'autre? Anne-Sophie. Yes. Parce que la couleur du livre est une partie du livre. Le livre est le tout. Et la couleur du livre est la partie. La partie et les tout sont toujours des isolés différents. Super. Qui d'autre voudrait me donner une réponse extrêmement précise, Nicolas? Du point de vue de l'objet, on peut indiquer la même chose, la couleur du livre et le livre, mais dans mon esprit, je peux distinguer la couleur et le livre. Et donc c'est pourquoi ce sont des isolés différents. Quand on parle d'isolé, vous allez du côté de l'objet? L'entité, c'est du côté du sujet. Donc, non, c'est pas ça. Du côté de l'entité, Catherine n'est pas contente que je dise. Donc, je dois dire les isolés sont du côté du sujet et les entités du côté de l'objet. Du point de vue de l'objet, dans notre, surtout du point de vue des concepts, les deux apparaissent différents. La couleur du livre et le livre. Comment ces deux apparaissent différents du point de vue du sujet? Anne-Sophie a dit que ces deux, l'un est une partie, l'autre est un tout. Les deux ont une réalisation de deux isolés différents. Donc, quand on dit des isolés, comme Nico a dit, ils apparaissent différents à la pensée conceptuelle. Comment apparaissent-ils différents? Qui? Alors, the color of the book is the opposite of what is not the color of the book, and the book is the opposite of not being one with the book. So there are two different isolates because their definitions are different, their meaning is different, and they are the opposite of what is not themselves. So that's why they are isolates. Opposite of not the book, opposite of not the color. Yeah. So these two different. Yeah. They are different because only the color of the book is the opposite of not being one with the color of the book. And only the book is, because if we exclude everything that is not. Okay, tell me, anyone, okay. So this is weird, of course we have to say something, but it should be something which everybody should understand. Il faut que ce soit quelque chose que tout le monde puisse comprendre. It should be something which everybody should understand it, and sometimes philosophers don't understand it. Et parfois, les philosophes rendent les choses trop compliquées. Quelque chose qui est facile, on les rend trop compliquées. Parce que la couleur rouge du livre, on peut la trouver partout, tout comme on aurait fait ce livre avec une couleur bleue. Donc, ce n'est pas... ils sont vraiment deux... comment on appelle ça? Deux isolés différents. On peut trouver la couleur rouge là sur une fleur, on peut la trouver ailleurs, pas forcément dans le livre. Because the red color can be found everywhere else, and we make this book with this color, but this book is specific, and this color red is more general than this color. C'est ça? Parce que la couleur rouge, elle se trouve partout, alors que ce livre, il est spécifique. C'est ça? Parce que la personne a voulu mettre la couleur rouge sur le livre, mais cette couleur rouge, on peut la trouver un peu partout. Because the one who made this book use the color red, but the color red can be found everywhere. Okay. So say the same. Okay. They can be different answers. Il peut y avoir différentes réponses. What is the very
Quand il dit que ces deux sont différents isolés, le livre et la couleur du livre, on peut trouver une réponse, et cette réponse doit être très convaincante. Donc je peux voir ce que disait Christophe, donc c'est assez convaincant. Pour Christophe, je suis confiant pour cela. Et je peux voir que ce que dit Marie, c'est assez convaincant pour elle. Vous devez trouver une réponse rationnelle qui doit vous convaincre. C'est très important. Et donc, entre-temps, n'importe qui peut comprendre cela. N'importe qui peut le comprendre. Mais on peut avoir certaines explications qui peuvent être complexes. Et à certains points, on peut les comprendre, mais là, on doit faire en sorte que ça doit être compris par tout le monde. Et donc les personnes qui n'ont pas passé du temps, ça ne veut pas dire que vous êtes moins intelligent, ça veut dire que vous avez passé moins de temps à examiner ces concepts. C'est pour ça que ça paraît compliqué quand quelqu'un d'autre les explique. Et donc, mais même si vous êtes un débutant ou une débutante, vous pouvez comprendre ces concepts. Pourquoi je passe du temps ici? C'est parce que je veux m'assurer que vous compreniez cela et que votre esprit soit actif. Comment le rendre actif? C'est parce que dès l'instant où je vous pose des questions, vous allez commencer à y réfléchir. Si je ne pose pas de questions, vous allez juste rester passif. Et donc votre esprit devrait rester très actif. La couleur du livre, c'est une caractéristique. Le livre, c'est la base des caractéristiques, c'est ce qui est caractérisé. Caractéristique et caractérisé, les deux sont différents dans votre esprit, n'est-ce pas? Non? Oui? Oui? Vous les voyez tellement différents? Donc, la caractéristique et le caractérisé sont différents. Qu'est-ce qui est le plus important dans votre esprit? La caractéristique ou le caractérisé? Le caractérisé est plus important que la caractéristique, vous l'avez? L'un est plus important et l'autre est moins important. Par exemple, Dodier et son corps. Quel est le plus important? Dodier est plus important. Dodier est celui qui a le corps de Dodier, qui a l'esprit de Dodier. Donc, dans votre esprit, ils sont différents. L'un est plus important et l'autre est moins important, vous l'avez? L'un est premier et le second est secondaire. L'un est ce qui est caractérisé et l'autre est la caractéristique. C'est pourquoi, du point de vue de votre esprit, les deux, ce sont des isolés différents. Donc, du côté de l'entité, donc il y a la différence et l'identité. Du point de vue des isolés, il y a la différence et l'identité. Qu'on dit deux entités et du point de vue des entités, deux entités différentes et deux isolés différents. Des exemples, s'il vous plaît. Rapidement. Le stylo et l'élastique. Le stylo et le chouchou. Donc c'est deux entités différentes. Pourquoi? Parce que si vous allez du côté de l'objet, vous voyez deux objets. Et comment? Ce sont des isolés différents. Parce que si vous allez du côté du sujet, vous avez un truc qui sert pour les cheveux et un truc qui sert pour écrire. Et donc ce sont deux trucs différents dans votre esprit. Maintenant, une entité et un isolé. Vite. Une entité et un isolé. Moi et mon corps. Le jeu. Aude. Et le corps de Aude. Les deux sont une entité. Oh, oui. Et les isolés.
Haute, c'est le caractériser. Et le corps. Et donc, haute, c'est le tout. Et le corps, c'est la partie. Donc, les deux sont des isolés différents, le tout et la partie. Donc, ma question est, qu'est-ce que vous me donnez? Quelque chose qui est une entité et un isolé. Pas différent. A color. One color. You should tell me one color. Aucune couleur, l'entité est une et l'isolé est un. Une statue de Bouddha. Et Sangeku. Les deux sont quoi? Une entité ou deux entités? Statue de Bouddha. Sangeku et Bouddha statue. C'est une entité. Sangeku, en tibétain, ça veut dire. Picture frame. Bouddha statue. Ok. Vous devinez juste. Hein. Parce qu'en fait, vous ne m'avez pas demandé est-ce que vous voulez dire que Sangeku. Vous ne m'avez pas demandé. Dites-moi. Quelle est la différence entre Bouddha, statue de Bouddha et Sangeku? Qu'est-ce que veut dire Sangeku? Sinon, vous ne faites que deviner, même si vous devinez juste, c'est quand même. Mais vous devriez me demander, c'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez par Sangeku? Ça veut dire Bouddha statue en tibétain. Donc dites-moi, quelle est la différence entre la statue de Bouddha et Sangeku? L'entité est la même. Une entité. Et les isolés? Hein? Les isolés sont un? Sangeku et Bouddha statue, c'est différent? C'est un isolé? Dans votre esprit, les deux apparaissent différents ou un... C'est pareil. Au Bouddha final. Encore des émanations. Quand on dit les isolés. Quand vous pensez à la pizza, vous pensez au nom ou vous pensez à la pizza réelle? Et quand je pense à la pizza, j'inclus le nom dans la pizza. C'est une bonne question. Donc pizza et le nom pizza ensemble. Et la pizza, est-ce que c'est des isolés différents ou la pizza d'un côté? Et le nom de la pizza et la pizza ensemble. C'est un isolé différent ou des isolés? Un seul isolé ou des isolés différents? Les isolés sont différents. Vous pensez à une pizza sans le nom. Et maintenant, tu disais tout à l'heure, je peux penser à une pizza sans le nom. Je ne peux pas penser à la pizza sans le nom. Je n'ai pas dit Sangeku. J'ai dit juste Sangeku. Je n'ai pas dit Sangeku en tant que nom. J'ai pas dit Sangeku sans le nom de Sangeku. Sangeku, le nom du Sangeku n'est pas le Sangeku. Donc les entités, on avait entité, une entité et un isolé. Maintenant, une entité et des isolés différents. Et donc une entité. Une seule entité et des isolés différents. Qui? Virginie? Le stylo et la couleur du stylo. Très bon. Je lui ai dit ça. Dites quelque chose de différent.
La bouteille et la forme de la bouteille. Virginie est quelqu'un de très obéissant. Elle peut toujours très facilement, elle peut juste trouver quelque chose. Et donc ces deux sont quoi? Une entité et des isolés différents. Marie? Un arbre avec ses racines, les branches, les feuilles, c'est une entité avec beaucoup d'isolés. A tree with its roots and branches and leaves and roots is one entity and many different kinds of isolates. So you have to bring two things. Donc deux choses, juste deux choses. The tree. L'arbre. Et les racines de l'arbre. Très bien. C'est une entité ou deux entités? L'arbre et les racines de l'arbre. C'est quoi? Une entité ou deux entités? Des entités différentes? Une entité. Et pour les isoler, c'est un ou différent? C'est indifférent. C'est différent. Très bien. Donc nous avons une entité, un isolé, une entité différente et des isolés différents. Maintenant, on a eu une entité et des isolés différents. Et maintenant, est-ce qu'on a un isolé et des entités, différentes? Je ne vois pas, Nicolas. Un isolé et des entités différentes. Est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce que c'est possible? Je veux quelque chose. Est-ce que je veux quelque chose qui soit un isolé et deux entités différentes? Non. C'est pas possible. Non. Oh, en France, vous ne trouvez pas ça? Un isolé et des entités différentes, très rapidement. Le livre et puis la table qui ont la même couleur. Oh, the book and the table which have the same color. Okay. The book. Le livre. Brown. Par exemple, un livre marron et une table marron. C'est un exemple. Wood. The blue color of the sky and the blue color of a pant. Et un autre, c'est un livre marron et une table marron. Qui d'autre? Sangye statue. Une Tara statue. Statue de Bouddha et statue de Tara. L'eau dans un verre et l'eau dans une bouteille. L'eau dans un verre et l'eau dans une bouteille. Très bien. On en a quatre. Qui d'autre? Si on en a plus, ça pourrait être une grande contribution. Donc, le Bouddha Shakyamuni, il n'a jamais trouvé aucun exemple pour cela. Et pour France, pour la France, on en a quatre. Et donc ça veut dire que, gardez à l'esprit, si deux choses sont un seul, un isolé, si l'isolé est seul, l'entité c'est nécessairement un. C'est nécessairement une entité, si l'isolé est un, si l'isolé est un, si c'est le même isolé, c'est nécessairement la même entité. Si c'est le même isolé, c'est nécessairement la même entité, ne l'oubliez pas. On n'a que trois possibilités. Un isolé et une entité. Une entité et deux isolés. Une entité différente et des isolés différents. Seulement ces trois sont possibles. Le quatrième, un isolé et deux entités différentes, ça n'existe pas. Et donc ça, on doit le savoir. Et maintenant, la prochaine chose qu'on va connaître, les phénomènes positifs et les phénomènes négatifs. Pour comprendre la vacuité,
Les isoler et les entités, c'est si important. Et tant que vous avez compris les entités, les isoler, c'est une façon ici de parler hier et aujourd'hui, ne l'oubliez pas, c'est extrêmement précieux parce que vous allez dans d'autres endroits et vous allez comprendre, hein, étudier des choses très compliquées, la plupart du temps vous n'allez pas les comprendre. Et donc, ce que nous avons compris, appris hier et aujourd'hui, c'est très bien pour vous, cela, c'est facile à comprendre, et après, pour la vacuité, ça va être extrêmement clair. Vous comprenez, toutes les complications ne sont pas nécessaires. Pour d'autres personnes qui peuvent comprendre ces complications, et non, il n'y a rien de mauvais dans cela, c'est juste une information supplémentaire. Mais ce qu'on avait et appris hier et aujourd'hui, tout le monde peut le comprendre, c'est très facile. Et donc, ce qu'on va apprendre maintenant, c'est les phénomènes positifs et les phénomènes négatifs. Donc, qu'est-ce que j'ai dans ma main? Une fleur. Et dans ma main droite, rien. Qui a dit quoi? Il y en a qui voient que j'ai une fleur dans ma main gauche et dans la main droite, les Français disent rien. Quelle est ma main gauche? Ça, c'est ma main gauche, non? Ne prenez pas ça pour acquis. Dutch. Hollande, c'est les... On dit Dutch, oui, Dutch. Pour les Néerlandais, la gauche est la gauche, pour les Français, la gauche n'est pas la gauche. Dans ma main droite, qu'est-ce que j'ai? Rien. Il n'y a rien dans ma main droite. Est-ce qu'il y a une fleur dans ma main droite? Non. L'absence de la fleur est là? Est-ce qu'il y a une absence de fleur? Oui. Dans ma main gauche, j'ai une fleur. Dans ma main droite, j'ai une absence de fleur. Vous êtes d'accord? Oui. Une distinction. Comment est-ce qu'on sait que là, il y a une fleur dans ma main gauche? Comment vous le savez qu'il y a une fleur dans ma main gauche? Parce qu'on peut l'avoir. On peut l'avoir. Comment vous savez qu'il y a une fleur dans... il y a une absence de fleur dans ma main? Parce que je peux le voir. Je peux voir une absence de fleurs. Quelle est la forme d'une absence de fleurs? Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. C'est une différence. Une absence de fleurs, c'est une réalité. Mais comment est-ce qu'on comprend l'absence de fleurs? C'est en niant, en réfutant, en niant explicitement la présence de la fleur. En réfutant explicitement la présence de la fleur. Donc ici, quand on sait qu'il n'y a pas la couleur et la forme d'une fleur, et donc on la réfute explicitement. C'est un phénomène négatif. Cette fleur, c'est un phénomène positif. Pourquoi? Parce que, comment est-ce qu'on la connaît? On la connaît parce qu'elle elle a une substance. Sa substance dit « je suis là ». Sa substance dit, est en train de dire qu'elle est là. Alors que dans la main droite, il n'y a pas d'absence, il n'y a pas de fleur. Et donc, il y a juste une absence. Et il y a pas d'absence. L'absence ne peut pas dire « je suis là ». Et donc, quand vous percevez la fleur, c'est un phénomène positif parce qu'elle affirme sa présence. Et comment on trouve le phénomène négatif? C'est un phénomène négatif qu'on comprend comme étant en niant explicitement l'objet de négation. C'est très important. Les phénomènes négatifs, c'est un phénomène qui est connu par un esprit au moyen de la réfutation explicite de son objet de négation. Donc on va le redire, un phénomène négatif, c'est un phénomène qui est appréhendé ou connu par un esprit au moyen de la réfutation explicite de son objet de négation.
Un phénomène négatif, c'est un objet qu'un une conscience connaît au moyen de la négation explicite de son objet de négation. Et donc, il y a une absence de fleurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fleurs. Non. Quand on dit explicitement, on affirme le non. On réfute explicitement. Qu'est-ce qui est réfuté? La fleur. La présence de la fleur. Et donc le phénomène positif, c'est un phénomène qui est connu par une conscience sans avoir besoin de le nier explicitement, de nier explicitement son objet de négation. C'est un phénomène qu'une conscience connaît sans réfuter explicitement son objet de négation. Donc ça, nous devons le connaître clairement. Donc je vais vous poser des questions. Vous devez me dire, qu'est-ce qui est phénomène positif, qu'est-ce qui est négatif? Le centre Kala Chakra, c'est un phénomène positif ou un phénomène négatif? Positif. Positif. Très bien, très bien. Moi, je, c'est un phénomène positif ou négatif? Positif. Très bien. Le Sangeku. Sangeku, c'est un phénomène positif ou négatif? Positif. Très bien. Le stupa, c'est un phénomène positif ou un phénomène négatif? Il n'y a pas de phénomène négatif en France. L'absence de fleurs, c'est un phénomène positif ou un phénomène négatif? L'absence de tigre, c'est affirmatif ou négatif? L'absence d'existence objective, c'est un phénomène affirmatif ou un phénomène négatif? L'absence d'existence objective, c'est la vacuité. C'est un phénomène négatif. La vacuité, c'est toujours un phénomène négatif. La vacuité n'est jamais un phénomène affirmatif. Et si vous comprenez cela, il y a beaucoup de gens par le passé, des grands érudits, des grands pratiquants, ils méditaient simplement sur un phénomène positif et ils étaient persuadés d'avoir médité sur la vacuité. Vous comprenez? C'est pourquoi, si vous ne comprenez pas ce qu'est la distinction entre les phénomènes affirmatifs et les phénomènes négatifs, il y a le danger d'être persuadé qu'on va passer des années à méditer, en étant persuadé qu'on a médité sur la vacuité, alors qu'en fait, on n'a pas du tout médité sur la vacuité. C'est pourquoi nous avons compris. Disons que un phénomène permanent, est-ce que c'est négatif ou affirmatif ou... Est-ce que c'est affirmatif ou négatif? Peut-être les deux. On peut avoir les deux. Je ne peux pas être deux. J'ai deux mains, mais je ne peux pas être deux mains. J'ai deux mains, mais je ne peux pas être ces deux mains. Donc, permanent ne peut pas être les deux, mais peut avoir les deux. Je peux avoir deux mains, mais je n'ai pas. Mais je ne suis pas ces deux mains. Donc, permanent, un phénomène permanent, c'est affirmatif ou négatif? D'autres? Et Nico dit que c'est négatif. Qui d'autre? Ne lui faites pas confiance. Le phénomène permanent, c'est positif ou négatif? Positif? Négatif. Je ne parle pas de impermanent. Je parle de permanent. Je ne parle pas de impermanent. Je dis permanent. Permanent. C'est positif? Positif. Positif? Négatif. Ok. Virginie. C'est comme la vraie cessation, c'est un phénomène négatif. Le phénomène. Phénomène, c'est positif ou affirmatif? Ou négatif? Au sein des phénomènes, il y a les permanents et les non. Et il y a les permanents et les impermanents. La cessation est négative, mais le phénomène est positif. Ha ha ha.
Ne t'inquiète pas, Virginie, c'est comme ça qu'on grandit notre conception intellectuelle. Donc les phénomènes permanents devraient être permanents parce que la cessation est négative, parce que la cessation est permanente. Et donc c'est pour ça que je dis, un phénomène devrait être positif. Donc tu dis que les phénomènes, que permanence est négative parce qu'une cessation c'est négatif et c'est permanent. Donc levez vos mains. Un permanent phénomène. Un phénomène permanent. Qui dit que c'est positif? Qui dit que c'est négatif? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Justifiez maintenant que c'est négatif. Qui? Comment vous dire que c'est négatif? Nico, yes. Donc cela nie que c'est momentané. Cela ne. Donc le changement continu et donc impermanent devrait être. Et impermanent, c'est positif. Impermanent devrait être négatif parce que cela nie la permanence. De ton côté, si tu prends ta thèse, puisque permanent, cela nie le changement perpétuel, ça devrait. C'est. La définition. Le permanent. Comment est-ce que cela réfute explicitement le changement continu? Permanent. Comment? Parce que la définition de permanent, parce qu'on doit aller dans la définition de permanent. Qu'est-ce que la définition? C'est ce qui est une base commune entre phénomène et donc c'est un phénomène qui n'est pas momentané. C'est un phénomène qui n'est pas momentané, qui ne change pas d'instant en instant. Et donc, je vous pose ces questions pour faire en sorte que votre esprit soit plus actif pour aller vers la prochaine phase. Maintenant, dites-moi, tant que vous comprenez cela, je suis très content, parce que le concept de la vacuité, je suis très, très, très content. Je ne bois pas du café. Un phénomène positif ou négatif? Et les Français? Je ne bois pas de café. C'est positif ou, c'est positif ou négatif? Négatif. Moi, c'est positif. Je ne bois pas de café. C'est positif? Je ne bois pas de café. C'est positif ou négatif? C'est positif. C'est positif dans le sens que le phénomène est présent et irréfutable dans le sens que vous savez très bien que vous ne buvez pas le café, donc c'est positif. Because you have a valid cognition that you don't drink coffee, it is positive. Je nie explicitement que je boive du café. Et comme je nie explicitement, ça doit être négatif, puisque je nie. C'est ce qu'on a appris, oui. Oui, c'est un phénomène négatif. Je ne bois pas de café. Vous dites ok, Geshe-la, je vais vous servir de la nourriture. Et le matin, vous apportez du café. Écoutez, vous apportez du café. C'est ce que vous devriez faire si vous êtes les intendants. Et donc, mais pourquoi vous m'apportez du café? Je ne bois pas de café. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc la prochaine fois, vous apportez du thé. Et donc, qui vous a dit que je buvais du thé? Si vous êtes un bon intendant, vous allez faire quoi? Demander. Vous allez demander, je ne bois pas de café, cela ne veut pas dire que je bois du thé. Vous devez demander, si vous ne buvez pas de café, si vous apportez du thé, si vous ne comprenez pas que c'est une négation, les phénomènes négatifs
Il y en a deux types. Il y a deux types de négatifs. Les négations affirmatives et les négations non affirmatives. Donc les négations affirmatives et les négations non affirmatives. Il y en a deux. C'est si important. Très important. Sans comprendre cela, on est loin de la compréhension de la vacuité. C'est si précieux. C'est pour cette raison que la Madhya Sangha a expliqué les phénomènes positifs et négatifs. Les phénomènes négatifs, il y a les affirmatifs négatifs et les affirmatifs non affirmatifs. Les négatifs affirmatifs et les négatifs non affirmatifs. Et donc, il a fait des commentaires magnifiques des textes de Nagarjuna et de Chandrakirti. C'est son cas pour expliquer ces phénomènes affirmatifs et négatifs. Donc, les négations non affirmatives, c'est un phénomène négatif. C'est un phénomène négatif qui n'affirme pas quoi que ce soit, qui n'affirme rien de positif. Un phénomène négatif qui n'affirme rien, qui n'affirme aucun phénomène positif. Un phénomène non affirmatif, c'est un phénomène négatif qui n'affirme aucun phénomène affirmatif ou positif. Donc un phénomène négatif non affirmatif, c'est un phénomène négatif qui n'affirme aucun phénomène positif. Ok. Un négatif affirmatif, c'est un phénomène négatif qui affirme un autre phénomène positif. C'est un phénomène négatif qui affirme un autre phénomène positif. Si, quand je dis cela, je ne bois pas de café, et non, vous apportez du jus ou du thé pour moi. Et donc, heureusement, je ne suis pas trop... heureusement, je suis assez cool. Mais sinon, je vous dirais, mais qu'est-ce qui vous a dit que je bois du thé? La personne pourrait... Qui vous a dit ça? Mais parce que vous m'avez dit qu'elle ne buvait pas de café. Et si la personne dit qu'elle ne boit pas de café, est-ce qu'elle affirme qu'elle boit du thé ou du jus? Non, pas nécessairement. Qu'est-ce que vous devriez faire? Vous devrez demander. Si vous ne demandez pas, vous n'êtes pas mon attendant. Si vous ne connaissez, ça veut dire que vous ne connaissez pas les phénomènes affirmatifs et négatifs. Vous ne connaissez pas les phénomènes négatifs non affirmatifs. Et donc vous devriez connaître ces deux, les négations affirmatives et les négations non affirmatives. Je ne bois pas de café. C'est un phénomène négatif ou un phénomène positif? Négatif. C'est un phénomène négatif affirmatif ou négatif non affirmatif? Non affirmatif. Très bien, vous pourriez être de bons attendants. Ok. Let's see. Cette salle est dénuée de tigres. C'est affirmatif ou négatif? Cette salle est dénuée de tigres, cette salle est un phénomène est dénuée de tigres. C'est un phénomène négatif affirmatif ou non affirmatif? Non affirming. Cette salle est dénuée de tigres. C'est une salle sans tigre. Est-ce que c'est un phénomène affirmatif négatif? C'est un phénomène négatif non affirmé. Cette salle est dénuée d'existence indépendante. C'est un phénomène négatif ou un phénomène affirmatif? C'est un phénomène négatif. C'est un phénomène négatif affirmatif ou négatif? Cette salle est vide d'existence intrinsèque ou indépendante. Okay, how many you say
Donc, qui dit cette salle est vide d'existence indépendante? Qui dit que c'est un phénomène affirmatif négatif? Que c'est un négatif non affirmatif? Il y en a 7, c'est à peu près pareil. Et qui n'a pas levé sa main? Moitié-moitié. Et donc vous avez compris qu'il y a des groupes, deux groupes. Certains disent que c'est affirmatif, d'autres disent que c'est non affirmatif. Donc ceux qui ont dit que c'est un phénomène négatif affirmatif, dites pourquoi c'est un phénomène négatif affirmatif. Si c'est indépendant, ça veut dire qu'on affirme que c'est dépendant. Si c'est vide d'existence indépendante, cela affirme, cela réfute explicitement l'existence indépendante et cela affirme l'existence dépendante. Et ceux qui ont dit que c'était une négation non affirmative, c'était qui? Il y en a un qui a disparu. Quand Maria a donné une bonne raison, il y en a qui a changé d'avis. Ceux qui, en même temps que moi, ont dit que c'était une négation non affirmative, comment pouvez-vous défendre votre position? Yes, Christophe. Because we don't affirm anything else in place of the object of negation, the independent existent. We don't affirm explicitly something else. We. It's implicitly affirmed. It's implicitly affirmed, but not explicitly. I said, which affirms something. I didn't say explicitly affirm. Yeah. So. Three ways. Explicit. Okay. So any three way of the affirmation is fine. Okay. So how can you say that it does not affirm the dependence? Geshe-la a dit qu'on avait plusieurs façons d'affirmer quelque chose, soit implicitement, soit explicitement, soit de manière contextuelle. Et donc l'existence dépendante est affirmée de manière implicite. Donc il n'est pas nécessaire d'affirmer, de l'affirmer explicitement. Donc ceux qui ont dit que c'était une négation non affirmative, vous pouvez défendre votre position. Ceux qui ont dit que l'absence d'existence indépendante de la salle, que la salle était dénuée d'existence indépendante, était une négation non affirmative. Donc maintenant, si on doit le défendre ou pas le défendre, la réponse est l'équité d'existence. L'absence d'existence indépendante, c'est toujours une négation non affirmative. Toujours une négation non affirmative. La vacuité et l'existence dépendante, la vacuité d'existence indépendante est toujours une négation non affirmative. C'est ce qu'on a vu pendant les discussions de groupe. Parce que à cause du manque de distinction entre l'affirmation et la négation, il y a certains ont dit que c'était
que certains grands érudits du passé ont médité sur une vacuité qui était une négation affirmative. Et donc, c'est pas facile du tout de le comprendre. Positif et négatif, et au sein des négations, il y a les négations affirmatives et les négations non affirmatives. C'est difficile, vous l'avez. Si vous n'êtes pas satisfait de cela, vous pourriez en discuter pendant les groupes de discussion, discutez-en. Comment la vacuité peut-être, la vacuité d'existence indépendante, une négation non affirmative. C'est ce que vous devriez discuter pendant les groupes de discussion. Et donc, le sixième jour, si rien n'advient, si le matin du septième jour, vous pouvez demander si vous n'avez pas eu de réponse entre-temps. Si jamais vous n'avez pas... Mais je suis sûr que vous aurez des réponses. Et donc, cette fleur, la couleur de la fleur, l'entité est une ou différente? Une. La fleur et la couleur de la fleur, c'est un isolé ou deux isolés différents? Différents. Cette fleur et la permanence de cette fleur, des isolés différents ou un isolé? Des isolés. La fleur et la permanence de la fleur. La fleur et la permanence de la fleur. Différents, des isolés différents. La fleur. Et la fleur et le fait qu'elle ne soit pas de chocolat. La fleur et le fait de ne pas être du chocolat. Un isolé ou deux isolés différents? Comment différents? La fleur et le fait que cette fleur ne soit la fleur dénuée d'être du chocolat. C'est deux isolés ou un isolé? Cette fleur est dénuée du fait d'être du chocolat. C'est une caractéristique de la fleur, oui. Caractérisée et caractéristiques sont toujours des isolés différents. Ne l'oubliez pas. Toutes les caractéristiques sont des isolés différents de l'objet qui est caractérisé. La fleur est la vacuité d'existence indépendante de la fleur. Un isolé ou deux isolés? Cette fleur est la vacuité d'existence indépendante de cette fleur. Des isolés différents ou un seul? Différents, super. Nous allons avec la question, comment exactement est la vacuité? Qu'est-ce que la vacuité? Les quatre ensembles d'opposés, conventionnels, contre, ultime, subjectif, contre, objectif, fictif, contre véritable et dépendant contre indépendant. Ne l'oubliez pas. On va aller voir ces quatre. Objectif et subjectif. Dans un rêve, tout ce que vous avez rêvé, maintenant vous n'êtes pas, vous êtes réveillé, mais tout ce que vous avez rêvé la nuit dernière, existe objectivement ou subjectivement? Subjectivement. Si c'était subjectif, où était l'objet? C'était vide. L'objet était vide. L'aspect objectif était vide. Si c'était subjectif, c'était totalement dénué du côté de l'objet. Vous comprenez? Objectif, subjectif. Donc le rêve, c'est un très bon exemple pour nous. Tout ce que l'on voit ici, c'est comme un rêve. Et c'est,
tout est subjectif, mais du côté de l'objet. Si tout vient du sujet, qu'est-ce qui vient du côté de l'objet? Rien. Ok. Emptiness. C'est la vacuité du côté de l'objet. Mais on n'a pas compris encore comment on s'est vide, on n'a pas encore compris. Mais si c'est un cas d'un rêve, tout est subjectif, donc il n'y a rien du côté de l'objet. Maintenant conventionnel. Contre. Ultime. Subjectif. Conventionnel. Fictif. Et dépendant sont synonymes. Subjectif. Conventionnel. Dépendant. Fictif. Ces quatre sont synonymes. Donc si ceux-là sont équivalents, leurs opposés, quels sont les quatre opposés? Ultime, indépendant, subjectif, objectif, objectif, indépendant, véritable. Ces quatre sont équivalents aussi. Et donc ça doit être très clair. Maintenant, on l'a fait du côté objet-sujet. Maintenant, ultime et conventionnel. On doit voir que ces quatre sont équivalents. Subjectif, conventionnel, dépendant, fictif. Ces quatre sont équivalents. En fait, on doit les comprendre un à un. Après un certain temps, après plusieurs années, plusieurs d'études, de réflexion, de méditation, dans notre esprit, on verra comment ils sont équivalents. Pour le temps, pour maintenant, on se dit juste c'est équivalent, mais même si dans notre esprit, ça ne devient pas de manière claire, c'est pas grave. On verra que... je vais vous expliquer les uns après les autres. Là, on a vu sujet-objet. C'est fait. C'est fait ou pas? C'est fait. Ensuite, conventionnel et ultime. Convention. I remember. Je me souviens. Okay. If there's war happening, if there's fight happening. S'il y avait une guerre qui viendrait, je ferais ce signe, la victoire. Victory. S'il y a deux doigts, ça fait la paix. Trois, ça fait une grande paix. Plus de paix. Pourquoi ces deux doigts feraient la paix? Yes, Jen. Ah, parce que c'est une convention. Qui a fait cette convention? Parce qu'il y a... Il y a 5000 ans, ça voulait dire paix. Peut-être autour de la première... Churchill. Victor. Churchill. Churchill. Winston Churchill. Dans les 40, dans les années 40, il a commencé à faire le signe et avant qu'on fasse ce geste, il n'y avait pas de paix. Donc ces deux doigts, ce sont les mêmes. Mais avant les années 40, c'était pas la paix. Et après, c'est devenu la paix. Pourquoi? Parce que Churchill a dit, c'est l'indication de la paix. Vous l'avez, vous comprenez? C'est l'indication de la paix. Et donc, quand on dit ça, on dit la paix, pas la guerre. Et donc, c'est une convention. Du point de vue de l'objet, il n'y a rien, c'est une convention. Et si vous allez si vous roulez à gauche ou à droite, est-ce que c'est laquelle est la bonne? En France, c'est les deux. On roule à gauche et à droite. Quel est le plus correct? Qu'est-ce qui est correct? Rouler à droite ou à gauche? En France, à droite. On the right. 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 Right side. Right side.
Si vous roulez à gauche, vous aurez des problèmes, oui. En France, c'est comme ça. Oui. Ok, vous devez rouler à droite et pas à gauche. Sinon, vous avez une amende. France existe quoi? En France, ça existe quoi depuis quand? Allez. Le territoire, ça existe depuis quand, la France? Où la route existe maintenant? Ça existe depuis au moins 5000 ans, plus que ça, même certainement plus que ça. Il y a 5000 ans. Disons seulement 2000 ans. C'était le même territoire, la même route, depuis Paris à Saint-Côme. Donc c'est la même route. C'était à peu près le même territoire, le même paysage, tout ça, il y a 2000 ans. Le même endroit. Peut-être il n'y avait pas de voiture. Il y a 2000 ans, il n'y avait pas de voiture. Juste des chars à bœuf. Vous allez à gauche, à droite, pas de problème. Vous êtes d'accord? Quel que soit le sens où vous rouliez, c'était pas un problème. La route est la même. Et après, un certain temps, vous allez à gauche et vous avez un problème. C'est illégal. La route elle-même ne va pas vous le dire. Elle va pas vous dire que vous êtes sur la mauvaise file, vous devriez être sur la droite. Qui va vous dire que c'est faux? La loi. Qui a fait la loi? Est-ce que c'est la route qui a fait la loi? Non, c'est les gens qui ont fait la loi. Est-ce que c'est leur corps ou est-ce que c'est leur esprit? Est-ce que c'est le corps ou l'esprit? C'est l'esprit des gens qui... C'est le sujet. C'est une convention. C'est juste une convention. On dit, vous arrivez, vous roulez sur la droite, c'est correct. La voie de gauche, ce n'est pas correct. C'est une convention. Subjectif, convention, c'est équivalent. Subjectif, conventionnel, c'est équivalent. Et leur sens est le même. Et parce que c'est une convention, quelle est l'opposé de conventionnel? Ultime veut dire que ça ne dépend pas de vous, que c'est là du côté de l'objet. Que ça ne dépend pas du côté de l'objet, du sujet, ce serait de la réalité de l'objet. Et donc il n'y a rien, ultimement, il n'y a rien du côté de l'objet. Maintenant, qu'est-ce qu'on a après? On a dit objectif, subjectif. Par exemple, le rêve, c'est purement subjectif. Le rêve est vide d'existence inhérente. Maintenant, conventionnel et ultime. Le premier exemple, c'est le V de victoire. C'est une pure convention. Et par extension, c'est subjectif. C'est purement subjectif. Parce qu'on dit que le rêve est purement subjectif. Il est vide d'objets inhérents. Et là, la victoire, le fait de la victoire, c'est conventionnel. Qu'est-ce que je peux joindre à ce qui serait ultime? Et donc ça c'est la victoire et ça c'est la paix. C'est purement une convention, ce n'est pas ultime. Et après c'est quoi? Indépendant et dépendant. Si vous dites c'est la paix, c'est le symbole de la paix, cela dépend de votre pensée subjective. Votre pensée subjective va dire c'est le symbole de la paix. Cela va dépendre. Ça ne va pas exister de manière indépendante comme étant le signe de la paix. Si ça existait de manière indépendante, avant Churchill, ça aurait été déjà le symbole de la paix. Et de la même façon, les fils sur la route, gauche à droite, le côté droit, le côté gauche, c'est un qui serait correct et l'autre qui serait pas correct. Ce serait quelque chose qui existe. Ça, c'est dépendant.
Ça dépend de ceux qui font les lois. Cela n'existe pas de manière indépendante. Ça existe par dépendance, en dépendance de ceux qui ont fabriqué le code de la route. Et donc ça n'a pas d'existence indépendante. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Fictif et véritable. Fictif et véritable. Dans le rêve. Dans le rêve, vous allez donner du chocolat à la personne qui est assise à côté de vous. Quelle est la réaction de la personne dans le rêve, généralement? Pas des situations spécifiques. Mais quelqu'un va vous donner un coup de poing ou va vous dire merci? Et donc, elle va vous dire merci. Vous êtes généreux et la personne est reconnaissante envers vous, dans le rêve. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il advient dans le rêve? Il y a des causes et des effets. Vous êtes gentil, la personne, elle est reconnaissante. Et donc, il y a une relation causale dans le rêve. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est fictif, créé par une fiction créée par l'esprit? C'est créé par l'esprit, ce n'est pas véritable. Quoi qu'il advienne, c'est comme dans un rêve, ça n'existe pas véritablement là, c'est fabriqué par votre esprit, c'est une fiction fabriquée par votre esprit. Comment? Ça, c'est la question. Ensuite, on doit apprendre toutes ces choses. Et finalement, on devrait savoir comment tout ce qui existe, existe de manière fictive, conventionnelle, ou dépendante, ou subjective. Ça, on devrait l'apprendre. C'est très important. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Comment est-ce qu'on peut savoir que tout ce qui existe est comme une illusion, comme un rêve? Et donc cela n'existe pas de la façon dont ça nous apparaît. Dans un rêve, si quelqu'un vous dit que vous êtes en train de rêver, qu'est-ce que vous allez dire? La plupart du temps, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas en train de rêver. C'est vrai, c'est réel. Quand vous vous réveillez, quelle est votre réaction vis-à-vis de la personne, vis-à-vis de la réponse que vous avez donnée à la personne? Vous allez dire, oh non, non, ok. En fait, c'était juste un rêve. Vous comprenez? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui est arrivé dans mon rêve, c'était mon esprit qui l'a fabriqué. De la même façon, maintenant, ici, là, c'est un autre rêve. Regardez la personne qui est assise à côté de vous. Surtout, Aude est tellement contente. Et maintenant, qu'est-ce qui vous a fait sourire? C'est votre création mentale, que vous le croyez ou non. Le fait que vous souriez et qu'un sourire advienne naturellement, c'est que vous voyez comme si ça existait de manière objective. Oui. Vous dites, oui, je sais que c'est ma création mentale, mais il serait tellement triste que je ne souris pas, alors je vais sourire. Donc, comment savez-vous? Donc, regardez encore la personne que vous avez sourire. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas comment la personne vous a parlé. La personne que vous a fait rire, sourire. Non, fermez vos yeux. Pensez à la personne. Ouvrez vos yeux. Je suis très heureux. Parce que...
parce que les gens de Calatiaga, centre Calatiaga, n'ont pas besoin d'être à l'hôpital psychiatrique. Parce que si vous continuiez de sourire alors que vous pensiez à la personne, là, vous auriez dit, Anne-Elisabeth aurait dû vous envoyer à l'hôpital psychiatrique. Donc je suis très content, merci. Maintenant, une question très sérieuse. Pourquoi la personne que vous la regardez, cette personne vous faisait sourire? Pourquoi la même personne quand vous y pensiez, la personne ne vous fait plus sourire? Pourquoi? Yes, it's a mental creation. Quand vous regardez la personne, vous voyez la personne comme n'étant pas une création mentale, comme si elle était là objectivement. Quand vous la visualisez, vous savez que c'est juste la création de votre esprit. C'est juste votre création subjective, cette vie d'existence objective. Et donc, quand vous voyez que c'est objectivement réel, vous souriez. Vous souriez. Et le sourire, c'est le symbole de vos émotions, l'attachement, la colère, la jalousie, etc. Et vous pensez à la même personne, vous savez que c'est une création mentale qui vient du côté de du sujet. Et vous ne souriez pas parce que vous êtes sous le contrôle. Parce que si là, si vous regardez la personne et vous espérez un sourire et la personne vous montre un visage très en colère, vous allez être triste, pas content. Le sourire va en haut et puis la tristesse va en bas. Si la tristesse va en haut, c'est le sourire qui va en bas. Et donc, c'est le signe que nous voyons les choses comme étant une existence objective. Quand vous visualisez, vous pensez à la personne, vous savez que c'est votre esprit qui crée l'image mentale. Et donc, vous n'avez pas d'attachement, pas d'aversion, pas de fluctuation. C'est plutôt sous le contrôle. C'est tellement précieux. Ok. But this. Ok. But this. J'imagine. Mais quand je peux savoir que parfois au monastère, quand vous parlez des jeunes moines qui arrivent à discuter avec nous, mais moi aussi quand j'étais jeune, je posais les mêmes questions au Seigneur, aux anciens, et là c'est les jeunes qui viennent nous poser. Comment est-ce que tout vient de l'esprit parce que c'est tellement réel, c'est tellement concret, c'est tellement regardé, touché. Comment vous dire que ça vient de l'esprit? Si ça venait de l'esprit, vous ne pourrez pas le toucher. C'est pourquoi on a besoin de savoir comment, de quelle manière. Pas simplement dire les choses sont comme un rêve, etc. Mais comment je peux savoir de quelle manière c'est si important. C'est pour ça, la raison, il y a de nombreux raisonnements qui établissent ce qu'est la vacuité. L'un des raisonnements, c'est le raisonnement des quatre points essentiels. Le raisonnement des quatre essentiels pour établir la vacuité. Le raisonnement des quatre points essentiels pour établir la vacuité. On va les écrire. Donc les quatre points essentiels pour établir la vacuité. C'est le premier. Donc c'est l'essentiel d'identifier l'objet de négation. C'est l'essentiel, le premier point essentiel d'identifier l'objet de négation. Numéro 2. L'essentiel, le point essentiel de comprendre la vacuité des objets comme étant vides, d'être un avec leur partie. Non. L'essentiel de comprendre la vacuité des objets comme étant dénués d'être un avec leur partie.
Le 3, l'essentiel est de comprendre que les objets, la vacuité des objets d'être différents de leur partie. Comprendre que les objets sont dénués d'être différents de leur partie. Et enfin, l'essentiel est de comprendre l'implication que tout ce qui est dénué d'être un ou différent de ses parties, d'être un et différent, implique la vacuité d'existence objective de l'objet. Donc on va répéter. Le quatrième, c'est l'essentiel, le point essentiel, de comprendre que l'implication que si tout est vide d'être un et différent de ses parties, et implique la vacuité d'existence objective de cet objet. On va le dire encore. L'essentiel de comprendre l'implication selon laquelle que les objets qui sont dénués d'être un et différent de leur partie implique la vacuité d'existence objective de ces objets. Implique la vacuité d'existence objective de ces objets. Conclusion. Et donc, après ces quatre points, la conclusion, la vacuité d'existence objective et l'objectivité de l'objet. La vacuité d'objectivité de l'objet et l'objectivité de l'objet. La vacuité d'objectivité de l'objet et l'objectivité de l'objet. Ça veut dire le même sens, ou bien la vacuité de réalité de l'objet, c'est la nature de l'objet. La vacuité de nature propre de l'objet, c'est la nature de l'objet. La vacuité de réalité de l'objet, c'est la réalité de l'objet. C'est la nature de l'objet. Trois postulations.